Du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour un unboxing un petit peu spécial, étant donné qu'il va être en deux parties. Donc la première partie, ça va être un unboxing que je vous ai filmé il y a à peu près une semaine sur une commande Cramer que j'ai reçue. D'ailleurs, avant toute question, dans les commentaires, non, je n'ai pas de code promo Cramer. Ces commandes-là que j'ai achetées chez Cramer, je les ai achetées avec mon argent et ce n'est pas du tout en collaboration avec eux. Donc voilà, donc je vous laisse regarder l'unboxing Cramer et moi, je vous retrouve après pour la suite du unboxing. Bonjour à toutes et à tous, donc aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui sera un unboxing. Donc j'ai fait une commande chez Cramer que j'ai enfin reçue, donc je l'ai commandée il y a une semaine et demie, deux semaines. Donc alors ça va pas être le truc du siècle, dans le sens où c'est une commande de clôture, équipement de clôture. Et ensuite le deuxième colis qui est juste ici, c'est un colis que j'ai commandé sur Technihorse, c'est ça, parce que j'ai commandé un produit pour Mala pour sa digestion tout simplement, et du coup j'ai pris deux autres produits en même temps. Mais voilà, du coup ce sont que des produits que j'ai achetés, je le précise quand même. Donc on va commencer par le petit colis de chez Technihorse. Donc premier produit, et c'est pour ça que j'ai passé commande sur ce site là. Donc c'est du Biozec. Alors je sais absolument pas comment ça se dit, mais c'est de la marque Eau de Var. Du coup je vous ferai quand même des petits close-up. Donc le pot ressemble à ça. Donc c'est un pot de 600 grammes et c'est tout simplement des prés et des probiotiques, simplement pour le système digestif du cheval. Donc depuis quelques semaines, Mala a le ventre qui a énormément gonflé. Donc au début on pensait qu'elle avait grossi, et en fait elle a le ventre vraiment dur. Donc moi je pense que c'est vraiment des gaz en fait, tout simplement, qu'elle a dans les intestins, tout ça. Donc j'ai pris ce produit qui vaut hyper cher, hein. Ce petit pot vaut 48 euros il me semble, si je vous dis pas de bêtises. J'ai pas les prix, mais oui, il me semble que ça vaut 48 euros et c'est 600 grammes, donc on peut faire une cure de 3 semaines avec. C'est tout, je peux même pas faire les deux juments, je peux en faire qu'une seule. Donc écoutez, j'espère que c'est efficace, mais voilà, j'ai commandé ce petit produit. Si ça vous intéresse, je pourrais vous en donner des nouvelles. Après, les produits comme ça, c'est vraiment propre à chaque chevaux. Il y en a sur lesquels ça peut marcher, d'autres non. Donc ça dépend vraiment. Ensuite, j'ai pris un produit de chez Raven que j'avais déjà testé, que la marque m'avait déjà envoyé pour que je teste et que j'avais beaucoup aimé. Donc c'est la biodine, donc c'est tout simplement de la biotine, voilà, sur un gros pot comme ça. Il y a un petit verre doseur également à l'intérieur. Et la biotine, ça va tout simplement permettre d'avoir une meilleure corne, une corne de meilleure qualité. Ça favorise la repousse, la beauté de la corne, des crins, du poil, tout ça. C'est enrichi en cuivre et en zinc. Elle est très appétante pour les chevaux, elle est sous forme de petites granulées. C'est un pot de 1 kg et voilà, celle de chez Raven est très bien, elle est pas très très chère. Donc moi c'est ce que je voulais. Et ensuite, dernier petit truc de la marque ESC Laboratoire. C'est de l'ail semoule, plante pure déshydratée. Donc voilà, c'est tout simplement un petit pot d'ail semoule comme ça pour mettre dans les grains à Mala. C'est un pot d'un kilo. Du coup, dose à ajouter à la ration de base pour un cheval adulte, 50 grammes par jour pendant 20 jours. Tout simplement, c'est tout simplement de l'ail pour éloigner les mouches, les temps, tout ça. En fait, l'ail, comment ça fonctionne, vite fait, parce qu'on m'a beaucoup demandé. En fait, vous donnez de l'ail à votre cheval dans la ration, et en fait, tout simplement, quand votre cheval va transpirer, imaginons qu'il fait très très chaud, il est au pré, il va transpirer toujours un petit peu, et en fait, sa transpiration va, c'est entre guillemets, une odeur d'ail, du coup, qui est désagréable pour les mouches, les temps, etc. Et ça va faire une protection naturelle, en plus d'un anti-mouche, d'un fly mask, etc. pour protéger votre cheval contre les insectes. Et on va attaquer avec le premier colis Cramer. Donc j'ai commandé de la clôture comme je vous ai dit, et j'ai recommandé 4 sachets de bonbons il me semble. J'ai pris un licol, j'ai pris quoi, 2-3 autres
truc et je me rappelle plus exactement ce que c'est. Mais bon, j'ai fait une grosse commande Kramer. J'ai vraiment pris tout ce que j'avais besoin. Même s'il va falloir que je repasse quand même une commande, malheureusement. Enfin, malheureusement ou pas, hein. Pour racheter un fly mask à Mala et. Un fly mask à Mala et. Je voulais prendre quoi d'autre? Oui, un fly mask à Mala et. Et merde! Je peux pas y arriver. Une couverture anti-mouche, voilà. Donc, premier produit Kramer, et c'est ce pourquoi j'ai commandé sur Kramer. C'est tout simplement du ruban pour clôture, donc pour faire le nouveau paddock. Donc, celui-ci, je ne sais pas de c'est quelle marque, c'est pas écrit. C'est une bobine de 200 mètres et c'est une épaisseur 20 mm le fil. Et il est réfléchissant, voilà, tout simplement. Donc ça, c'est très bien, c'est ce que je voulais. Je l'ai payé 34,90, il me semble. Ensuite, on a un gros sachet comme ça. Alors, ça... Alors, j'ai pris plein de poignées de prix différentes. Donc, avec des petits systèmes comme ça pour le ruban... Des petits systèmes comme ceci pour le ruban également. Vous verrez mieux sur les close-up. Ça, c'est une autre poignée à ruban. Ça, c'est une poignée à fil basique. Et pour les poignées, c'est tout. J'en ai pris 4. Ah non, il y en a encore une. J'en ai pris 5. Et il y a une deuxième poignée. Ah, mais c'est pas des poignées à ruban. Ça, c'est les poignées à porte. Voilà, ça y est. Donc, ça, c'est des poignées à porte. Bah écoutez, c'est très bien. 5 petites poignées. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a ceci, donc ça c'est une petite bande adhésive rose de la marque Showmaster. J'en avais déjà pris une sur Kramer, j'en avais plus, ça sert toujours en cas de bobo, s'il faut faire un pansement, tout ça c'est très très pratique. Ensuite, une petite longe kaki. Je me rappelais plus du tout que j'avais pris ça. Ah si, parce que j'ai commandé un Licol sur le site de la Céderie et qui traîne. D'ailleurs, j'ai un code promo, je vous mets dans la barre d'informations. Et j'ai commandé un Licol escadron. Kaki. Sauf que la longe escadron kaki, je la trouvais pas très très jolie. En fait, il y avait trop de orange à mon goût dessus. Du coup, en passant la commande, j'ai pris une petite longe qui est exactement de la même matière que l'escadron. Franchement, je m'attendais à ce qu'elle soit un peu plus épaisse, mais du coup c'est la même matière que les escadrons. Mais de la marque Showmaster, du coup en kaki, qui ira très bien avec mon petit Licol. Ensuite, j'ai pris un Licol. Un Licol qui est, comment dire... Ouh là là. Il est très très bling bling, hein, voilà, c'est un petit Licol rose. Avec des petits motifs fleurs, aztèques, rose, violet, jaune, rouge, orange. Voilà, très bling bling. Petit Licol tout simplement pour le prix qui était pas cher en solde. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a un premier sachet de 25 isolateurs à ruban. Un deuxième sachet de 25 isolateurs à ruban. Parce que j'en ai besoin de pas mal. Et ensuite, on a un sachet d'isolateur à cordelettes. Donc ça, ça sera pour mettre le fil électrique pour biquette dans le nouveau paddock. Ah oui, c'est vrai que j'avais commandé ça. On a ceci. Alors, vous n'avez pas trop comprendre ce que c'est. Mais du coup, je vois pas ce qu'il y a dans celui-là. Ça y est, je me rappelle, j'avais commandé un sachet de... Je vous avais dit sur Instagram, d'ailleurs, je vous avais demandé votre avis. Goûter pour les chevaux de muesli, en gros. Donc du coup, j'ai pris ça. Alors qu'est-ce que c'est, vous allez me dire. Vous allez mieux voir comme ça. En fait, c'est tout simplement une... Un morceau de caoutchouc, une brosse de massage, voilà. À mettre contre la paroi du box ou contre un arbre ou quelque chose comme ça. Ça coûtait... 16,90 ou 17,90, je sais plus. Et j'avais trop envie de prendre ça parce que Mala s'arrache tout le temps toute la crinière en se grattant sur les arbres. Et je me suis dit, si je prends ça, au moins elle s'arrachera pas la peau, elle s'arrachera pas les crins, elle s'arrachera pas tout ça, en espérant qu'elle se gratte dessus. Mais du coup, voilà, j'avais trop envie de prendre ça. Je me suis dit que c'était un truc sympathique, c'est un peu gadget, c'est sûr. Mais voilà, je me suis dit que j'allais tester. Donc, on va ouvrir le gros. Ah, mais j'avais oublié que j'avais pris ça, moi. Oh là là, je suis déprimante, sérieusement, je fais des commandes, je me rappelle même plus ce qu'il y a dedans. J'ai pas reçu toute ma commande. Il me manque que les bonbons. J'ai pas reçu les bonbons.
Bon bah du coup, dans ce sac là, le seul truc qu'il y a, c'est ça. Donc c'est ce que j'ai commandé, du coup c'est un sachet de goûter pour les chevaux, saveur fruitée, voilà. C'est le seul truc que j'ai reçu dans ce carton, il me manque mes 4 sachets de bonbons. Du coup c'était pas priorité entre guillemets à ça, c'était priorité à ma clôture. Donc c'est pas trop grave. Donc voilà, écoutez, c'est déjà plutôt pas mal, j'ai reçu mes isolateurs, mes poignets. Bon bah voilà, du coup cette petite vidéo est maintenant terminée. J'espère que ce petit unboxing de dernière minute vous a plu, ça vous fera patienter pendant ce confinement, écoutez, ça vous fait toujours une vidéo en plus. Du coup on se retrouve maintenant pour la suite de ce unboxing. Donc j'ai 3 autres colis à vous présenter, donc un colis de la série Equitraine, un de chez Unicorse et également un de chez Raven. Du coup on va commencer par celui de chez Raven. Donc pour notre partenariat j'ai reçu leur nouveauté, donc c'est un petit masque anti-mouche. Donc de chez Raven, de la gamme du coup Emouchine. Il est pas noir, pour moi il est vraiment gris anthracite. Donc du coup vous avez une protection UV et moi je l'ai choisi donc avec les oreilles. Vous avez le petit trou pour le toupet juste ici. Les oreilles sont en mèche hyper fine. C'est ça que j'aime beaucoup avec ce masque et j'ai été très surprise en le recevant. C'est que la matière est vraiment ultra fine. Il est assez rigide au niveau des yeux pour que du coup le masque ne touche pas les yeux du cheval. Vous avez 2 très gros velcro juste en dessous et le petit logo Emouchine de chez Raven. Il existe en 4 tailles, donc poney, cob, cheval et grand cheval. D'ailleurs il est pas très cher sur le site internet, je vous mettrai le lien dans la barre d'informations, mais son prix n'est pas très élevé, je vous le mettrai juste ici parce que du coup je ne m'en rappelle plus. D'ailleurs Raven m'ont donné un petit code promo rien que pour vous qui vous apporte moins 10% sur la totalité du site internet jusqu'au 31 mai, donc le code c'est un cœur de cavalière 2020, donc voilà, vous avez jusqu'au 31 mai pour commander et avoir moins 10% sur votre démêlant, votre shampoing, votre émouchine, tout, votre masque anti-mouche si vous souhaitez acheter un masque, déjà qu'il est pas cher, donc avec moins 10% en moins, il est encore moins cher, vous en doutez. Du coup, étant donné qu'il m'a envoyé le masque, j'avais les frais de port gratuits, donc j'en ai profité pour reprendre 2 produits que j'affectionne beaucoup de chez eux, donc ce sont ces 2 produits là que j'ai du coup payé, vous vous en doutez. Du coup c'est l'Emouchine shampoing de chez Raven, donc du coup qui est un shampoing protecteur qui protège l'épiderme du cheval. Déjà premièrement, premier point positif, si vous avez l'occasion de le sentir, ce shampoing sent les fleurs, il sent hyper bon, un truc de malade. Contrairement au shampoing anti-mouche qu'on peut voir d'habitude qui vraiment pue, c'est bien le mot. Et le deuxième produit que j'ai pris qui est de chez Charlie Laters mais qui est revendu chez Raven, et c'est tout simplement l'Easy Clear en spray. Donc c'est un spray nettoyant et hydratant pour le cuir. Je déteste faire mes cuirs, je n'aime pas ça, je les fais pas régulièrement, je n'aime pas faire mes cuirs. J'entretiens mon matériel mais faire mes cuirs c'est un truc que j'aime vraiment pas. Et j'avais découvert ce spray là pour mes championnats de France 2018 avec Mala, donc j'avais acheté ce produit et franchement c'est un truc de malade, genre c'est grave facile d'utilisation, ça nettoie en même temps, ça hydrate, donc t'as pas à mettre 12 millions de produits sur tes cuirs, donc c'est un petit peu la facilité pour pas très cher. Et j'ai également eu un petit échantillon qu'on peut choisir en fait sur le site quand vous commandez, donc moi j'ai pris celui-ci. Voilà, donc cet échantillon c'est tout simplement le Sun Protect. Donc le Sun Protect c'est quoi? C'est tout simplement une crème solaire pour chevaux. Moi j'en ai pas besoin d'un grand tube étant donné que j'ai pas de chevaux blancs, etc. Mais par contre Hermione au bout du nez a une toute petite tache blanche où du coup la peau est rose en dessous. Et l'été elle a tendance à prendre des petits coups de soleil. Donc je me suis dit que prendre un gros tube c'était pas utile. Mais quand ils m'ont proposé l'échantillon à la fin de ma commande, je me suis dit nickel, comme ça je pourrais juste lui mettre une petite noisette sur le bout du nez quand je lui fais un pansage et c'est parfait. Du coup tous les codes promo je vous les mets dans la barre d'infos comme d'habitude si vous souhaitez commander avec mon code. Ensuite on va passer au deuxième colis qui est un colis de la sellerie Equitraine. Donc d'ailleurs j'ai également un code promo sur le site de la sellerie Equitraine, je vous l'affiche juste ici. Donc j'ai commandé en tout, j'avais commandé 5 articles, il y en a 2 que j'ai pas reçus. Donc le premier article qui va entre guillemets avec ceux que j'ai pas reçus,
C'est une petite muserolle. Mais regardez-moi cette beauté. Donc c'est une muserolle de la marque SD Design. C'est une pure merveille. Je sais pas si vous allez voir, mais cette muserolle, c'est une pure beauté. Donc elle est noire avec des strass juste ici et la matelassure du coup qui est blanche. Vous avez le dessous qui est en pullback, le noseband et elle est juste sublime. Alors pourquoi j'ai pris cette muserolle tout simplement parce que j'ai un très vieux filet de dressage que j'utilise pour Mala au quotidien. C'est mon filet de tout le temps avec mon mort simple. Et en fait il est très très vieux du coup comme je vous ai dit. Et le frontal, la têtière et la muserolle est très abîmée. Malheureusement ça me fait un petit peu mal au cœur parce que j'y tiens quand même beaucoup de le jeter, de le vendre ou quoi. Parce que je pourrais même pas spécialement le vendre parce qu'il est vraiment abîmé. Donc je me suis dit pourquoi pas lui remettre un petit coup de neuf. Donc j'avais reçu un petit frontal de chez Sapristouche. D'ailleurs j'ai également un code promo, je vous mets en barre d'informations. Là je vous parle que de marques auxquelles j'ai des codes promo. Mais tant mieux, profitez-en. J'avais reçu un petit frontal que je vous avais montré sur Insta qui est noir et blanc. Donc je compte le mettre sur ce filet avec ma nouvelle muserolle. Et j'ai également commandé une nouvelle têtière anatomique de chez SD Design à la sellerie qui traîne. Et également une sous-gorge il me semble. Je crois que c'est une sous-gorge également que j'ai commandé, mais que je recevrai par la suite. Et comme ça je pourrais mettre un grand coup de neuf à mon filet et ne pas avoir à en racheter un en entier. Donc voilà, c'est la façon un petit peu économique on va dire pour renouveler tout ça. Et voilà, j'ai trop hâte de voir le résultat, de recevoir les autres morceaux et de pouvoir monter ça sur mon filet, ça va être trop trop beau. Donc ensuite, deuxième article que j'avais commandé qui est un petit Licol, donc celui-ci qui est de la marque Escadron. C'est l'édition Platinum il me semble de 2018. Pareil, il est juste magnifique. Vous avez la muserolle avec écrit du coup Escadron avec des paillettes. Il est trop trop beau. La muserolle, enfin la moumoute est détachable comme sur le rose que j'avais acheté. Et du coup là vous avez un petit détail orange. Il est genre trop trop canon. Je l'ai pris en taille cheval. Il est donc kaki et beige. Il est magnifique avec cet aspect un petit peu satiné. Donc à Noël j'en avais eu un rose qui est celui d'Hermione. Donc celui-ci sera celui de Mala. Je le trouve trop beau, franchement j'adore les Licol Escadron comme ça, ils sont trop canons. Donc je suis trop trop contente, je suis dans ma folie du kaki en ce moment. Vous allez le voir par la suite. Ensuite elle m'a rajouté deux articles dans mon colis qui n'étaient absolument pas prévus. Donc Maud, merci énormément à toi. Donc le premier article qu'elle m'a rajouté, quand je vous dis que je suis dans ma folie du kaki, elle l'a bien compris. C'est une petite paire de protection coquet, donc de la marque Escadron. Très très basique comme ça en taille cheval. Donc elles sont super jolies. Très simples, mais pour le débourrage d'Hermione je pense que ça ira super super bien. Pour aller du coup avec cette petite paire de Protec, elle m'a mis une paire de cloches. Une paire de cloches de la même collection que le tapis. Donc en kaki avec le petit détail orange et des petits détails d'étrier et la moumoute. Donc elle me les a mis en taille L en plus, qui est la taille de Mala et la taille de Hermione je pense. Je lui ai jamais mis de cloche pour l'instant, mais vu qu'elle m'a du taille cheval ça doit être du taille L. Elles sont super super jolies avec la petite écriture Escadron juste ici. Elles sont trop canon, franchement je suis trop contente. Et la pièce maîtresse donc de ce unboxing de la série et qui traîne, c'est ce tapis sur lequel j'ai craqué. Et c'est pour ça que j'ai commandé sur le site de la série qui traîne. Et c'est pour ça que j'ai voulu passer commande. Ta ta ta. C'est un petit tapis Spooks, donc un tapis mixte Spooks que j'ai pris principalement pour Hermione pour son débourrage. Donc là vous avez écrit Spook Equestrian et de l'autre côté également un petit bord bleu marine. Et la particularité de ce tapis c'est qu'il a une petite bande blanche juste ici et vous avez une petite bande de strass tout le long du tapis. Ce tapis est sublimissime. Il a un effet un tout petit peu satiné, mais pas trop. L'intérieur est en nid d'abeille noir. Et du coup, comme je vous ai dit, je l'ai pris en mix, mais il est trop beau. Franchement, je suis en amour dessus. Il est juste magnifique. Vous avez une petite étiquette juste ici. Je sais pas si vous allez voir où il y a écrit Spooks en paillettes et en rose. Il est trop beau. Franchement, c'est une pépito ce tapis. J'ai trop trop hâte de le mettre à Hermione. Il est magnifique. Et ensuite, dans le colis, elle m'avait également glissé quelques petits trucs.
Donc elle m'avait mis une petite carte avec un petit mot et du coup elle m'avait glissé un petit sachet de snacks de chez Liquit. Elle m'a également glissé un Liquit en petit format comme ceci. Du coup c'est les petits formats qu'on met à lécher, donc dans les supports Liquit, et celui-ci c'est miel et camomille, du coup trop trop mignon. Et elle m'a également mis une petite barre Liquit à la pomme. Donc voilà, ça c'est trop cool, je vais pouvoir gâter les filles. Elles vont être juste trop 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 contentes. Et elle m'a également mis un petit paquet de 3 chocolats de la marque SD Design. Donc juste trop trop mignon. Franchement dans les commandes, vous avez toujours plein de petits cadeaux qu'elle vous rajoute. Et je trouve ça juste trop mignon, j'adore, j'adore. Et ensuite du coup le dernier colis qu'on va ouvrir c'est celui-ci. Donc c'est un colis de la marque Unicorse. Je l'ai déjà ouvert, c'est pour ça du coup que ça se présente comme ça. Donc les articles étaient tous dans des petits pochons individuels comme ça. Le premier article du coup c'est un petit bonnet, donc Unicorse de la nouvelle collection, donc en olive et noir, comme ceci, taille cheval. Il est super mignon, franchement. La matière est très 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 fine, je sais pas si vous allez réussir à voir, mais... la matière est super super fine, donc ça pour l'été c'est vraiment le top. Ensuite nous avons une petite paire de bandes qui toujours est dans son petit pochon individuel. Donc j'en ai 4, donc c'est les petites bandes Unicorse olive et noir comme l'autre. Et la particularité en fait c'est que vous avez hop les petits logos qui s'enlèvent directement sur les bandes. Donc vous pouvez changer les petits écussons qu'il y a sur le dessus. Et ça je trouve ça vraiment sympa. Donc je pense que ça doit être des 3 mètres mais qui sont vraiment vraiment bien tassés. Donc voilà, ça c'est grave cool. D'ailleurs pareil dans la barre d'information il y a un petit code promo Unicorse, valable autant sur les articles textile cheval que sur les articles comme les boîtes de pansage, les sacs de pansage, etc. Vous avez moins de 10%, donc n'hésitez pas, ne commandez pas sans le code promo, voyons, ça serait quand même dommage. Ensuite le dernier article de chez Unicorse c'est un petit tapis, donc celui-ci qui n'est pas kaki mais qui est bel et bien olive. Est-ce que vous allez voir la différence? Ça c'est olive et ça c'est vraiment kaki. Donc voilà, il est comme ceci avec le petit logo Unicorse juste ici en paillettes que vous avez des deux côtés. Pareil, qui se déscratch, qui s'enlève, et en fait juste ici dans un petit pochon accroché au tapis vous avez un deuxième petit écusson à scratcher sur le tapis. Donc pareil avec des petits strass, mais celui-ci c'est une petite pochette, donc c'est très gadget hein. Je ne sais pas si si j'utiliserai vraiment cette petite pochette parce qu'en fait vous avez un petit zip et vous pouvez mettre quelque chose à l'intérieur. Moi c'est pas trop mon style entre guillemets les articles très gadget comme ça, mais voilà c'est quand même mignon, ce tapis est quand même très très joli. Voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi sur ce je fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.